Ça fait bientôt 6 semaines que l'expédition a commencé, 6 semaines de plongée profonde et 6 semaines que la X-Fatum de chez Blampin m'accompagne dans toutes mes plongées. Et je dois dire que c'est un vrai plaisir que de lire le temps qui passe sur un tel objet, quoi. Sous l'eau, le temps se compte en minutes. À grande profondeur, chaque minute coûte une fortune en énergie dépensée et va coûter une fortune en palier de décompression derrière. Évidemment, le temps a une valeur toute particulière pour les plongeurs profonds. Sur la X-Fatum, il y a un compte à rebours de 5 minutes en option. Et lorsque je remonte, bien sûr, mes paliers sont bien supérieurs à 5 minutes. Mais ça me donne de petites échéances régulièrement qui sont très agréables, en particulier quand je m'arrête durant cette longue ascension, je m'arrête régulièrement pour photographier des petites créatures. Or, je dois respecter une certaine vitesse de remontée pour chacun de ces paliers de décompression. Avec ce petit compte à rebours, ce sont des petites récréations de 5 minutes que je m'autorise tout le long de la remontée à chaque fois que je croise une de ces étranges créatures planctoniques. Et puis enfin de pouvoir lire la profondeur sur sa montre et donc de pouvoir lire la profondeur de manière analogique, c'est vraiment très agréable parce que là précisément on voit sa vitesse de remontée ou sa vitesse de descente au défilement des aiguilles sur la profondeur, ce que l'on n'a pas sur un profondimètre électronique. Des plongées aussi précieuses où les minutes comptent autant, finalement c'est des minutes qui méritent d'être mesurées avec un bel instrument. Et la X-Fatum est véritablement une superbe montre de plongée.